voyez. 3, 2, 1, let's go. On recule un petit peu, Lyonnais. Allez. Il a dit combien de passages? C'est que pour ma part, ils se sont pas donnés à fond, ils ont juste dansé. Moi, je comprends, c'est les copains, mais voilà, c'est encore plus difficile de juger quand tu vois les deux équipes qui se donnent pas à fond.
Mais dans la globalité, j'ai, dans le battle, pour moi, Tekken y gagnait. Mais dans la globalité de l'événement, Tekken, quand même, ils ont envoyé. Ils avaient plus faim. Et donc, et à la fin, il y avait un blessé contre l'équipe entière. Donc, pour moi, Tekken, encore gagnant. Comme on dit, comme l'a dit Yuval, c'est bon. Ça fait deux fois qu'ils gagnent. C'est les deux dernières éditions, ils ont gagné. Et voilà, on est à Paris, c'est pas normal que nous, les Parisiens, et moi y compris, parce que, ah, pas moi, parce que je mixe, mais les Parisiens, il faut se réveiller et pensez bien qu'il y a un classement. C'est ça, c'est important, un classement sur toute l'année. Donc, les Parisiens, rendez-vous en janvier. Et je pense que, j'espère que vous êtes entraînés et que vous allez me sortir les TKM, même si j'ai rien contre eux, mais c'est juste pour le spectacle, un peu pour comme on dit, on veut toujours que l'empereur tombe de son trône, ben là c'est un peu ça. Donc les Ken, j'espère que vous allez travailler. Les Parisiens, j'espère que vous allez vous réveiller. Big up à tous. Bête d'événement, Team ZTT. Big up à mon gars Sanka. À mon gars HD qui est venu du Sud. Ils ont fait le taf. Voilà. Peace à vous tous. A bientôt, DJ Lumi. À la finale, après, voilà, on va pas de blessé. Le deuxième binôme qui a soufflé un petit peu, on va dire, entre guillemets. Donc il a remplacé, il a fait ses petits passages. Bah, c'était un peu léger par rapport à Petit Blond, c'est ça. Après, Timmy, qui est pour moi, qui était au-dessus, voilà, comme je dis, pour moi, ils n'ont pas rempli tous les critères, mais ils sont pas loin de les avoir remplis. Donc, originalité, ils arrivent à placer des bons petits skills, des petites phases quand il faut, ils ont une bonne petite énergie, avec la bonne fluidité. Donc, pour moi, ils remplissent un peu tous les critères du bien fait, entre guillemets, du b-boying que moi j'aime regarder. Voilà. Après, franchement, pour moi c'était mérité, c'est qui gagnait. Eh ben, sur la finale, bon, malheureusement, Pac-Pac s'est blessé à la demi-finale parce que c'était très très chaud avec les Russes. Et donc finalement, bah, c'était son coéquipier qui a continué avec Jimmy, et puis Jimmy a pris le dessus tout simplement. Vu par rapport à son originalité, sa technique, et par rapport à son expérience aussi, je pense. Parce qu'il a pas mal d'expérience par rapport à celui qui était en face. Félicitations, malgré que tout le monde était fort, tout le monde était là, comme j'ai toujours dit, chacun a ramené son originalité. Ouais, le prochain événement qui a lieu apparemment le 21 janvier, c'est ça, si je ne me trompe pas. Franchement, venez nombreux, moi j'ai vraiment kiffé, c'est un événement où je pense qu'il faut venir, il faut se tester. Il y a beaucoup de bons délires. Si t'aimes la compétition, franchement, pour moi, c'est là que ça se passe.